Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes de Dixie, non passons par Ratoma, Matotomata, mais Kaloum. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur, bien sûr, la presqu'île de Conakry, la belle, merci, de nous préférer dans le Lève-Tôt. Oui, le rendez-vous de ceux qui se lèvent tôt sur Espace TV. Et le plaisir est pour nous de vous recevoir ici tous les matins avec cette team aussi gonflée à bloc. Pour vous servir. Vous le savez, ici, les people, et puis l'image du jour, en passant par la plume, le micro-baladeur, l'actualité cinématographique et également un invité de parcours, tout y passe dans ce programme matinal, et puis aussi les plateformes sur lesquelles vous et nous arrivons à échanger vos différents SMS, vos différents messages que vous envoyez à la famille, le tout pour votre plaisir. Installez-vous avec tout le confort, on va démarrer avec la météo, derrière ce sera le 10 minutes avant tout le monde, on reviendra pour le Showtime matinal. Météo. Devant de nombreux cadres et citoyens, le chef de l'État a vanté les acquis de sa gouvernance en citant quelques actions réalisées. Dans un ton ferme, Alpha Condé rappelle que la démocratie est l'expression du peuple. Seul le référendum peut départager les pro et anti-nouvelles constitutions. Le train de la Guinée a démarré. Il y en a qui veulent arrêter ce train, mais ils perdent leur temps. Mais la démocratie, c'est quoi? Les latins disaient « vox populi, vox dei », c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comment peut-on être démocrate et avoir peur du suffrage universel? Au-delà des deux camps nés au sujet de la Constitution, le président de la République voit deux Guinées, celle de ceux qui sont tournés vers l'avenir et celle de ceux qui regardent dans le rétroviseur. Je ferai ce que le peuple de Guinée veut. Nous savons qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à tirer sur les gens pour accuser nos forces armées. C'est pourquoi désormais, nous n'accepterons plus dans tous les pays. Quand il y a un mort dans la rue, on fait une ceinture autour et on permet à la police judiciaire de venir faire les constats. Vous serez surpris lorsque vous donnez les résultats d'autopsie. Nous savons dans quelle situation nous avons trouvé ce pays. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Après, vous avez été 10 ans au gouvernement. Alors, laissons-les regarder le rétroviseur derrière. Nous, on regarde devant. Depuis le 14 octobre dernier, le Front national pour la défense de la Constitution appuie sur l'accélérateur. Chaque semaine, il organise des manifestations contre le projet de nouvelle constitution. Des protestations souvent soldées par des morts, le cas de blessés et des dégâts matériels importants. Dans son communiqué numéro 028, le Front national pour la défense de la Constitution se félicite du travail abattu depuis le début de la lutte contre le changement constitutionnel. Il déplore par la même occasion les nombreuses violences qu'il répertorie à la solde des forces de l'ordre. Le FNDC déplore les graves violations des droits humains perpétrées par les forces de défense et sécurité depuis le déclenchement de ces manifestations le 14 octobre 2019. Notamment les meurtres et multiples arrestations arbitraires des citoyens et leaders du mouvement. Si le président dit être serein et à l'écoute du peuple de Guinée, le FNDC, quant à lui, voit un chef à la recherche de repères.
Les différentes manifestations du FNDC ont ébranlé considérablement le président Alpha Condé et son clan, tout en alertant la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sur les dérives dictatoriales du régime guinéen. Le FNDC réitère son engagement à barrer la route à ce projet de réforme constitutionnelle et appelle les citoyens à se tenir prêts pour de nouvelles mobilisations. Les femmes du FNDC de Conakry et de plusieurs villes du pays ont décidé de marcher demain mardi pour dénoncer les meurtres de leurs enfants victimes des répressions sanglantes de ces derniers temps. La coordination nationale du FNDC appelle à son tour à une grande manifestation pacifique le mardi 26 novembre 2019 à Conakry sur un itinéraire qui fera l'objet d'une large diffusion dans les heures qui suivent. L'enterrement des dernières victimes de l'expédition punitive orchestrée par les forces de l'ordre dans les quartiers de Conakry et lors de la récente marche funéraire est prévu le jeudi 20 novembre 2019. Le général Ousmane Bafoué parle d'un incident malheureux. Des sanctions internes ont été prises, surtout que la victime a réussi à identifier les présumés auteurs. Des mots, peut-être que les jeunes ont placé des mots malveillants à son endroit, en lui menaçant par-ci, par-là, ça peut arriver. Dans la jeunesse de tout un chacun, tu as confiance à quoi, à moi ceci, etc. Donc, moi, je lui demanderai pardon. Et demain, déjà, j'ai convoqué le commandant et l'équipe qui était dans la pick-up, le chef de bord, le chauffeur et ceux qui étaient dedans, qui partaient à la gare, ils seront là. Et dans un premier temps, j'ai déjà pris des sanctions à l'interne. Que tout le groupe de presse élargi au principal concerné ne se laisse pas habiter par la peur, rassure le général. Que Mohamed Mara sache que sa personne n'est pas visée, les GG ne sont pas visés, les GG ne gâtent rien à la police nationale. Mais ils disent plus haut que ça. S'ils arrivent même, je les vois même, ils arrivent à atteindre des sommets et qu'ils ne se réveillent pas, ce n'est pas un agent qui va être à terre ou bien moi, directeur général, et que je vais me chercher à me venger. Non, ce n'est pas possible. Il présente ses excuses, mais si toutefois Mohamed Mara n'est pas satisfait, il peut user de ses droits. La hiérarchie policière mettra à sa disposition les agents présumés auteurs de l'agression. Il sera rétabli dans ses droits. Tout ce qu'il voudra faire de ses agents, s'il veut les déférer, on les mettra à sa disposition. Parce qu'il a été victime, il a été frustré, il se dit humilié. On va essayer de le rétablir, mais dans un premier temps, en ma qualité du préfet de la police, je lui demande pardon et qu'il sache qu'on a la volonté que nos agents ne commettent pas des choses comme ça. C'est pour cela qu'on les identifie, les véhicules sont identifiés, les missions sont ordonnées, les chefs de groupe sont connus. Rester 10 minutes sans utiliser son smartphone, activer sa connexion et surfer sur le net semble un exploit pour les jeunes d'aujourd'hui. Malheureusement, en Guinée, beaucoup n'utilisent pas Internet et les réseaux sociaux pour se former. Ils s'attellent plutôt à des futilités. Conséquence, le niveau d'apprentissage baisse, notamment dans les écoles, soutient ce professeur. Très souvent, le manque de lecture est la cause invoquée. Vous pouvez aujourd'hui lire une feuille d'un élève ou d'un étudiant. Vous trouvez plein d'abréviations dedans. Vous trouvez des mots écrits comme si on était dans le langage SMS, des mots écrits très mal. Tout ça parce que les gens ne lisent pas. Les gens, ou on peut dire que les gens lisent très rarement. Et cela affecte, moi, je crois que cela affecte pleinement la formation des gens. Le téléphone fait partie de ce qui nous empêche de lire. C'est la thèse défendue par Kouboura Baldé. Depuis un mois, la jeune journaliste et certains de ses associés organisent des séances de lecture chaque samedi dans différents endroits de Conakry. Lors de cet événement appelé week-end lecture, ces dizaines de participants divorcent avec leur téléphone pour 2 heures afin de bien se concentrer. Se déconnecter du téléphone pour se connecter au livre. Le téléphone aujourd'hui est le facteur qui nous empêche de nous concentrer. Aujourd'hui, ça remplace tout. Parfois, même quand on a envie de se concentrer, vous prenez un livre. Tout de suite, un message ou quelque chose vous interrompt dans votre lecture. Choisir le livre physique sans conséquence, je pense que c'est mieux d'aller au contact avec un téléphone. Ce jeune étudiant est à sa 4e participation au week-end de lecture. Bon, ces séances m'ont permis de développer mes facultés, connaissances, compétences, expérience. En plus de ça, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Pour lire,
Être en contact avec le livre physique est certes une bonne chose, mais d'autres, comme ce blogueur, pensent que les smartphones et autres supports électroniques doivent être mis à contribution pour plus d'accessibilité à la lecture. Il faut plutôt pousser les gens à utiliser les téléphones à bon escient pour non seulement se connecter et communiquer, parce que c'est déjà un phénomène sociétal qu'on ne peut pas dépasser, mais également les utiliser pour faire des lectures utiles, de lire des livres, des magazines, des journaux, des articles scientifiques, des articles d'actualité. La lecture est la nourriture de l'esprit, dit-on très souvent. Alors, support électronique ou livre physique, lisons utile. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva constitución, la primera elaborada en plena democracia y aceptada y respetada por todos. En las últimas cuatro semanas, Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió, todos hemos cambiado, porque el pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas. Necesitamos todos juntos renovar ese pacto social. Météo. Retour au plateau, merci de nous préférer dans le Lève-Tô et vous êtes avec nous ensemble jusqu'au tour de 8h30-35. On passera cette matinée ensemble. On va rentrer cette fois-ci dans la lucarne classique. On va remonter le temps avec Killpoint, qui sont les précurseurs du HIP HOP en République de Guinée. Le titre « Mène ton combat ». On se regarde cette vidéo assez nostalgique.
Dans cette très très belle vidéo signée Mène ton combat. On va à présent partir avec l'image du jour au Sénégal, précisément où nous nous rendons. Une présentatrice TV pas comme les autres, oui, elle est folle, on va dire, le petit écran sénégalais. La présentatrice de télévision Sorna Mami Thioune détonne par son style particulier dans l'espace audiovisuel sénégalais, aux extensions capillaires, robes et jupes sexy. Et elle a préféré l'originalité d'un style proprement africain. Bon, on va regarder, voir ce que ça donne. Pas être complexé, faisons ce qu'on sent. Je m'appelle Sorna Mami, avec un style Yaifal très particulier, vraiment différent, et je l'assume. Je suis une présentatrice qui incarne les plus belles valeurs africaines. Déjà, mon style, le port vestimentaire original. Je m'habillais comme toute autre jeune fille. Jupe, pantalon, taille haute, chemise, cheveux naturels et consorts. Et voilà, donc c'est venu comme ça. Je l'ai senti. C'est une chose que je veux. Et je sais que ça me va. Et je suis à l'aise dedans. Donc, raison pour laquelle c'est devenu un mode de vie. L'appréciation des gens, souvent, il y a d'autres qui s'arrêtent, qui me regardent comme ça. Voilà. Il y a d'autres qui me prennent en photo. Il y a d'autres qui m'adressent la parole comme ça. Voilà. Et moi aussi, je réponds avec le sourire aux lèvres parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'attirer l'attention des gens comme ça aussi facilement. Non. C'est un choix éternel et ça m'encourage. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui me suivent, qui suivent mes pas et tout. Et ça me va droit de cœur. Je tiens aussi à garder cette particularité qui me diffère des autres. Voilà, penser différemment et puis garder son authenticité, son propre style, tout en vendant sa culture, c'est ce que Sorna Mami Thioune a su faire dans cette vidéo que vous avez regardée au compte de l'image du jour. Nous ici, on reçoit Kune Bamaka. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est inspirant ou pas? Très inspirant. Elle a su créer son style et c'est très beau. Allez, tu as décidé de nous envoyer à Dubaï, une ville futuriste inspirée de la légende d'Aladin. Exactement, pour ceux qui ont lu ce conte ou légende orientale Aladin, la ville ressemble donc à une succession de trois lampes du génie, voilà, du génie d'Aladin. Titre donc le site américain Curvy, en voyant donc ces formes s'élever
de la mer vers le ciel, et bien on ne peut qu'approuver un projet flamboyant qui illuminera une grande partie de la ville. Voilà, si les fonds ont été récoltés, ni le montant et ni les coûts n'ont encore été dévoilés. L'édifice comportera donc trois tours, incluant un centre commercial, un hôtel situé donc sur l'eau, à 450 mètres du rivage, tout cela imprégné donc de deux contes mythiques de la culture orientale, Aladdin et Simbad. Voilà, donc les ambitions de ces tours sont de devenir des icônes à la gloire et des légendes du passé. Et puis associé à la couleur locale et la beauté touristique de la ville, et c'est donc Nasser Louka, journaliste, qui est en vantant l'emplacement privilégié du site à Dubaï, comme vous le voyez sur ces images. Alors le projet sera situé en dehors de la zone qui est en attente d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis il y aura aussi des ponts, des ponts en bois climatisés qui serpenteront de tour en tour. Et puis la forme du pont a effectivement été conçue pour rappeler la vie marine et son imaginaire. Tout est vraiment bien confectionné, de sorte à ce que ce sera magnifique. Et au total, le site a une surface de 110 mètres carrés. Et chacune des tours auront respectivement 34, 25 et 26 étages. Pas moins de 900 véhicules pourront y stationner. Donc voilà, toute cette beauté de Dubaï, voilà, pour ceux qui voyagent. Oui, là, c'est futuriste. Hein. Exactement. C'est Dubaï, Dubaï reste c'est Dubaï. Très beau, ouais. Merci beaucoup, Kim Babakan. On va enchaîner avec Channel, dans ce titre Yaya Yobé, c'est une nouveauté.
Yaya Yobé, c'est le titre de la chanson que vous regardiez, hein, de Chan, que vous avez connu bien sûr à travers le titre Shiza, hein, qui a fait parler beaucoup de foyers. Lecture de quelques messages, tout naturellement. Bonjour Espace, je vous suis très bien depuis Kindia, c'est signé par Mamadou Selou Diallo. Nous partons avec un autre téléspectateur. Bonjour, c'est Yonsane Siagab depuis l'aviation. J'aime votre émission, vous êtes les meilleurs. Good morning Espace TV, I am Oumar Sila. From Guinea, actually in Angola, my greeting this morning is to all my fellow Guineans. I love you all. Thank you. Bonjour, le lève-tôt. Je vous suis depuis Luanda ce matin. C'est Ibrahim Akaba. Merci. Lis une partie de mon message hier ignoré. D'autres parties, c'est ce genre de... Bon, allez, il est carrément dans... un autre délire. Bonjour Espace TV, c'est moi Bangouran Famoussa, l'enfant de Benassi Kourou. J'aime bien votre émission, le lève-tôt, ça m'a beaucoup attiré. Je suis même à l'écoute. En même temps, je vous regarde depuis ma petite chambre. Merci et bonne journée. Continuez toujours à nous balancer, hein, vos messages sur le 669 24 08 08 ou encore la page Facebook lève-tôt Espace TV. Bonjour à vous, Sadio, comment ça va? Oui, ça va très bien. Allez, bonjour à tous. Allez, ce matin, dans l'œil de la rédaction, on s'intéresse bien sûr à la lecture qui est considérée comme un passage nécessaire pour une bonne formation. Vous dites que l'explosion de l'outil Internet et des appareils électroniques, hein, comme le téléphone, baisse le niveau de concentration de la lecture et au détriment même, hein, de l'apprentissage. C'est l'avis de certains Guinéens dans un élément de reportage que vous avez réalisé avec Ibrahim Assouri Camara. Dites-nous en plus. Justement, vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, avec le smartphone, avec les téléphones qu'on a qui nous permettent d'accéder à Internet et tout, beaucoup ont tendance à dire que la lecture est en train de baisser simplement parce que le téléphone nous empêche de se concentrer. C'est très souvent un appel, même si c'est un livre que nous détenons, là, on est en train de lire ces messages, c'est un appel où les gens sont régulièrement concentrés sur Internet, ce qui les empêche de pouvoir lire. Alors, récemment, on a vu des jeunes qui ont initié des événements qui constituent à venir, par exemple, faire 2 heures de lecture, c'est-à-dire éteindre carrément le téléphone, le déposer de l'autre côté, prendre un livre, se concentrer pendant 2 heures. Et on est allé vers ces gens-là, mais également on a opposé ces idées-là avec certaines qui estiment que oui, avec ce même téléphone-là, au lieu de l'abandonner, on peut le réutiliser pour pouvoir se concentrer. Vous avez des livres électroniques à l'intérieur sur le téléphone. Le téléphone en lui-même n'est pas la fatalité. Ce sont nos comportements et nos manières vis-à-vis du téléphone. Cette dépendance, hein, on va dire digitale, qui peut-être fait que sinon aujourd'hui, tout se retrouve dans les téléphones. C'est peut-être pas les livres classiques, mais vous avez des livres électroniques. Justement, qu'on peut lire et beaucoup d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre, c'est que d'abord, avec Internet, on est obligé de lire. Parce que quand on est là-bas, on voit forcément des textes. Articles, maintenant, c'est à nous de choisir ce que nous allons lire. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un comportement. Moi, je pense qu'à un moment où chacun est avec son téléphone, c'est nécessaire de savoir aussi réutiliser ce même appareil pour pouvoir évoluer, progresser. Voilà qui est bien planté. Je pense qu'on va suivre cet élément de reportage. Rester 10 minutes sans utiliser son smartphone, activer sa connexion et surfer sur le net semble un exploit pour les jeunes d'aujourd'hui. Malheureusement, en Guinée, beaucoup n'utilisent pas Internet et les réseaux sociaux pour se former. Ils s'attellent plutôt à des futilités. Conséquence, le niveau d'apprentissage baisse, notamment dans les écoles, soutient ce professeur. Très souvent, le manque de lecture est la cause invoquée. Vous pouvez aujourd'hui lire une feuille d'un élève ou d'un étudiant. Vous trouvez plein d'abréviations dedans. Vous trouvez des mots écrits comme si on était dans le langage SMS. Des mots écrits très mal. Tout ça parce que les gens ne lisent pas. Les gens, ou on peut dire que les gens lisent très rarement. Et cela affecte, moi, je crois que cela affecte pleinement la formation des gens. Le téléphone fait partie de ce qui nous empêche de lire. C'est la thèse défendue par Kouboura Baldé. Depuis un mois, la jeune journaliste et certains de ses associés organisent des séances de lecture chaque samedi dans différents endroits de Conakry. Lors de cet événement appelé week-end lecture, ces dizaines de participants divorcent avec leur téléphone pour 2 heures. Afin de bien se concentrer. Se déconnecter du téléphone pour se connecter au livre. Le téléphone aujourd'hui est le facteur qui nous empêche de nous concentrer. Aujourd'hui, ça remplace tout. Parfois, même quand on a envie de se concentrer, vous prenez un livre.
Tout de suite, un message ou quelque chose vous interrompt dans votre lecture. Choisir le livre physique sans conséquence, je pense que c'est mieux d'aller au contact avec un téléphone. Ce jeune étudiant est à sa quatrième participation au week-end de lecture. Bon, ces séances m'ont permis de développer mes facultés, connaissances, compétences, expériences. En plus de ça, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Pour lire, être en contact avec le livre physique est certes une bonne chose, mais d'autres, comme ce blogueur, pensent que les smartphones et autres supports électroniques doivent être mis à contribution pour plus d'accessibilité à la lecture. Il faut plutôt pousser les gens à utiliser les téléphones à bon escient pour non seulement se connecter et communiquer, parce que c'est déjà un phénomène sociétal qu'on ne peut pas dépasser, mais également les utiliser pour faire des lectures utiles, de lire des livres, des magazines, des journaux, des articles scientifiques, des articles d'actualité. La lecture est la nourriture de l'esprit, dit-on très souvent. Alors, support électronique ou livre physique, lisons utile. Lisons utile, tout est dans la chute. Hein. Ah. Voilà, moi comme merci, on dit, Al. Pas de commentaires au fait derrière. Allez, okay. Merci beaucoup Sadio Diallo et je rappelle que vous avez réalisé cet élément avec Ibrahim Assouri Camara. On refile sur les routes de Conakry où nous attend notre micro-baladeur. Une personne qui est en vacances, comment on appelle ça? Si c'est un homme, c'est le vacancier. Une personne qui est en congé, comment on appelle? Voilà. Un congé, oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, Martin Luther King, il est de quelle nationalité? Ma sœur de Kenkin. C'est ma sœur, plus banguinée. Quelle est la nationalité de Ernesto Che Guevara? Ernesto Che Guevara, oh, j'ignore. C'est vraiment Marguerite. Vous êtes élève ou étudiante? Bon, j'ai fait le bac cette année. Par la grâce de Dieu, j'ai aussi eu mon bac. Que signifie bac? Bon, comme le disait l'un de nos professeurs, que le bac c'est la porte de l'entrée de l'université. Et comment on appelle les habitants de Saint-Étienne? Les habitants de Saint-Étienne, désolé, je ne connais pas ça. Qui fut le premier président démocratiquement élu en Guinée? Bon, selon moi, peut-être professeur Alpha Condé. Il est professeur dans quelle matière? Peut-être français. Et deux cafés plus deux cafés moins un café, c'est combien? Deux cafés plus deux cafés deux moins cafés un café est égal à un café. C'est égal à un café. Oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et comment s'appellent les habitants de Mamou? Ce sont les Mamoukwa. Mamoukwa. Oui. Il y a combien de communes à Conakry? J'ai oublié. Quelle est la différence entre vigile et gardien? Voilà, c'est la tenue qui différence. Quelle est la différence entre un papier et un dossier? Bon, c'est ce qu'on demande, les papiers. On ne demande pas les dossiers. On ne demande pas les dossiers. Mais là, il y a une différence entre dossier et papier? Mais normalement. Je dis, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. C'est pas un dossier. Le dossier, c'est les documents de la moto, quoi. Et c'est quoi le papier? Le papier, c'est comme ce que vous avez pris là, quoi. C'est quoi la grève? C'est quoi la manifestation? Bon, la manifestation est que... Bon, désolé, monsieur. C'est quoi la grève? La grève, c'est pour... Je ne vais pas parler ça en français très bien, quoi. Il ne faut pas être dans ta langue. Bon, la grève est que... Pour la population, quoi. Puisqu'on va s'en sortir pour la... Pour ce qu'on est... Ce que là où on est, quoi. Maintenant, c'est quoi la constitution? La constitution est que... On ne veut pas. Ça veut dire quoi la constitution? La constitution est que... Désolé. Voilà, c'était Bob l'éponge sur la route de Conakry. Et puis on profite aussi pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis le Tchad. Vous êtes très nombreux aussi du côté de la Mauritanie. Merci de nous préférer, merci de nous choisir. Bonjour Paul Fatia. Bonjour Al. Ça va ce matin? Ça va très bien. Allez, on s'intéresse ce matin à Sotigui Kouyaté. Oui, Sotigui Kouyaté qui était un comédien, metteur en scène et footballeur malien, burkinabé également. Né à Bamako le 19 juillet 1932.
1956, est mort d'une maladie pulmonaire à Paris le 17 avril 2010. Il faut rappeler qu'il s'est essayé dans bien d'autres métiers avant de s'aventurer dans la comédie. Il a été enseignant, il a été footballeur également. Il est considéré comme un des plus grands acteurs africains contemporains. Il est le père du réalisateur Danny Kouyaté, du conteur Hassan Kassi Kouyaté et de l'acteur Mabo Kouyaté. Il est né dans la famille des Griots, c'est à Bamako, alors ville principale du Soudan français, devenue par la suite le Mali. Il enchaîne plusieurs métiers, comme je le disais. Il a même été journaliste, il a travaillé dans des radios, il a été même agent d'une banque d'Afrique occidentale. Il a été menuisier, il a été enseignant, donc il a exercé bien d'autres professions avant de faire carrière dans la comédie. Il revendiquait donc 23 années d'expérience dans cette profession de comédie. Il devient ensuite joueur professionnel de football jusqu'en 1966, étant même capitaine de l'équipe nationale du Burkina Faso. Il débute au théâtre en 1966, acceptant de jouer dans une pièce pour son ami Boubacar Diko. Puis ils ont créé leur propre compagnie, donc avec son ami, ils ont formé un tandem, un duo pour mettre en place une compagnie. Et il entame ensuite une carrière cinématographique à partir de 1972. Il intéresse le cinéma français avec d'abord Le Courage des Autres de Christian Richard en 1983. Il se fait surtout connaître pour ses collaborations avec Peter Brook, notamment dans l'adaptation du Mahabharata sur scène en 1985, par la suite adapté à l'écran en 1988. Il devient alors un des comédiens fétiches de Peter Brook, qui le fait jouer dans de nombreuses pièces. Et ses rôles dans les films La Jeunesse de Cheikh Oumar Sissoko le font connaître au grand public. Et dans le film de Boukareb, il interprète un des rôles les plus marquants, Aloun, un vieux Sénégalais qui part aux États-Unis pour retrouver les descendants de ses ancêtres déportés comme esclaves. Ce rôle-là lui vaut plusieurs récompenses. En 2009, il remporte l'Ours d'argent du meilleur acteur du Festival de Berlin pour un autre film de Richard Boukareb. Il va donc se tailler une réputation internationale, une réputation qui va même dépasser les frontières du Burkina Faso. Mais malheureusement, il va contracter une maladie qu'il va traîner durant tout au long du soir de sa carrière, puisqu'il faut, il faut rappeler 23 ans de carrière professionnelle dans la comédie. Voilà ce que Kouyaté revendique, et il meurt à Paris en 2010 des suites d'une maladie pulmonaire. Il est inhumé à Ouagadougou, on est là au Burkina Faso. Alors, comme distinction individuelle, il est en tant qu'acteur Bayard d'Or du meilleur comédien et prix de l'ACCT du meilleur comédien du Sud au Festival international du film francophone l'an 2000. Et la même année, il est également élu, il va remporter le prix du meilleur acteur au Festival du film méditerranéen de Cologne pour Light Sénégal en 2009. Ours d'argent du meilleur acteur à la Berlinale pour London River. Et après sa mort, des témoignages vont fuser de partout, voire même des hautes sphères de la société burkinabé, également des hommes politiques même français qui vont adresser des témoignages très très émouvants pour louer toutes ses qualités, mais aussi tout l'engagement, toute l'implication de Kouyaté, qui a fait de la comédie, de l'art burkinabé aujourd'hui une véritable identité, et qui l'a aidé également qui a vendu la culture burkinabé à travers le monde dans les différents festivals, et également dans les différentes scènes où il a eu à se produire, à jouer également. Mais voilà, des artisans qui ont fait du Burkina ce qu'il est aujourd'hui en termes du cinéma africain, et puis aussi ce grand rendez-vous que le fait SPACO. C'est un pays de cinéma. Voilà, gros incubateur de cinéma africain, il faut le dire. Allez, merci beaucoup Paul Fatia Toukara. Nous, on va enchaîner avec les politiques dans la plume à Jacques Léo Aleno. Il y a de simples plaisantins qui peuplent le microscope.
avec des idées tordues. Ils sont dans la confusion et s'offrent volontiers pour empêcher les changements qualitatifs. Ils ne sont pas moins que les membres du système qui tue. Il n'est pas exclu qu'ils en soient membres, mais c'est au nom de la démocratie et qu'ils connaissent nullement que leur donnant la place. Ils sont dans la fausseté. Les confusionnistes, un groupe de Guinéens impertinents qui errent à travers les QG pour s'offrir des grâces. Ils sont comme des espèces aux élans blasés, toujours en quête d'une position sociale certaine, même s'ils ne la méritent pas. Il faut les voir sous les couleurs du drapeau guinéen en train de parler à notre nom, comme s'ils avaient été désignés. Jamais ce qu'ils sont ne les préoccupe. Pourtant, le premier problème auquel ils devraient s'attaquer est celui de leur inconstance permanente qui frise la bassesse. Ces petits politiques, osons les appeler ainsi, puisque l'administration du territoire a bien voulu les reconnaître, n'ont que pour intention d'empêcher les autres de faire ce qu'ils veulent faire au nom de la démocratie. Mais la démocratie est si rigoureuse que la réduire à la liberté de s'organiser ou de prendre la parole ne suffit plus. Il est bien vrai que la finalité véritable de la démocratie est la liberté de l'homme. Beaucoup de promoteurs de ce système de gouvernance le soutiennent, mais pas sans mettre un accent particulier sur la responsabilité. Puisqu'il y en a qui se croient tout permis, alors la démocratie devient un moyen de pervertir les mœurs ou de faire perdre du temps. Les confusionnistes peuvent être comparés à ces mendiants qui sourient à tout le monde, tant que tout le monde se montre gentil et qui se fâche contre tout le monde lorsque chacun décide de limiter ses gestes. Ils mentent et se donnent de l'importance. Nous continuons malheureusement à les entendre sur des sujets importants de notre pays avec assez de peine. Ils font aussi partie du système qu'il faut abattre pour libérer la Guinée. Il s'agit du groupe parmi le peuple que nous sommes qui subordonne ce qu'il appelle ses convictions à son bien-être d'abord. En politique, ses membres sont comme des singes qui cherchent des refuges sûrs dans les arbres. Ce n'est pas la Guinée qui les intéresse. Ce n'est pas le progrès de ce pays qui les intéresse. C'est l'argent. Ils sont jeunes adultes méchants pour leur famille dont ils ternissent l'image. Ils ne s'engagent jamais. Et lorsque les divergences sont clairement exprimées autour d'une question d'envergure nationale, ils trouvent le moyen de sortir des idées assez tordues du genre à contredire tout le monde. Ce serait sensé s'ils parvenaient à faire une proposition concrète sur la base d'un discours responsable. Mais ils sont dans la critique subjective, faite de préjugés et de haine. C'est pour eux que les Guinéens responsables doivent s'employer à identifier le système qui tue. Ce système fait des politiques avides qui doivent leur émergence aux crimes économiques et humains. Ce système fait de faux intellectuels qui promeuvent la division lorsqu'ils se cachent derrière les communautés pour s'adresser à un lectorat lui-même incapable de saisir la vérité. L'esprit humain, dit le journaliste Walter Lippmann, est encombré de préjugés et de stéréotypes. L'esprit humain, dit-il, est inattentif. Parce que toutes les questions nationales concernant le peuple, et c'est au peuple de décider. Mais pour que le peuple décide, il doit être bien informé. Notre véritable problème réside dans le manque d'informations. Des positions partisanes sont prises pour des vérités. Retour en plateau, vous suiviez la chronique à Jacques Léoualeno, bien sûr, hein, sur nos politiques. Ici, on a un bout de temps, hein, on va se faire lecture de 2-3 messages rapidement. Avec la permission de la réalisation, avant d'enchaîner avec une pause musicale. Bonjour Espace TV, Lefto, c'est Baldé, Roméo, Kourako. Je salue tous mes amis d'enfance. Je vous kiffe depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes les meilleurs. Bonjour soirée. La jeunesse de Guinée est prise au
Bon, allez, hein, pas de message, va t'en guerre, comme on dit. Bonjour, Espace Guinée, c'est Fofana Alia depuis Concasseur. Je suis de cœur avec vous, c'est pourquoi je vous suis chaque jour, même en ce moment. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je suis un rappeur, j'aime bien ce que vous faites et j'aimerais que vous puissiez me donner l'opportunité de parler de moi. Mais par contre, le message, il n'est pas signé. Hein. Tout ceci à voir avec, bien sûr, la rédaction et puis un dernier message. Bonjour, Espace et Diallo Hélène depuis Fria, je suis très contente de vous et de votre travail. Vous faites de la fierté de la presse guinéenne. Je vous souhaite une bonne continuation. Passez une excellente journée. Grosse bise à vous. Allez, on va marquer une pause. Derrière, bien sûr, nous serons avec notre invité de parcours. Il y aura aussi le bulletin du matin avec Fatoumata Diané. Mais avant, une vidéo de Shindima aux côtés de Flavor dans ce titre 40 Years.
Retour en plateau après cette pause. Nous ouvrons à présent le bulletin du matin. Bonjour Fatmata Diané. Bonjour Al, bonjour à tous. Le FNDC appelle à de nouvelles manifestations le mardi 19 pour les femmes du mouvement. Évidemment, l'enterrement des jeunes tués lors de la dernière marche funèbre le jeudi 28 novembre et une grande marche pacifique le mardi 26 novembre à Conakry. L'itinéraire n'est pas encore déterminé. Le compte-rendu de cette déclaration, c'est avec nos reporters Abdourahmane Ba et Aluba. Dans son communiqué numéro 028, le Front national pour la défense de la Constitution se félicite du travail abattu depuis le début de la lutte contre le changement constitutionnel. Il déplore par la même occasion les nombreuses violences qu'il répertorie à la solde des forces de l'ordre.
le FNDC déplore les graves violations des droits humains perpétrées par les forces de défense et sécurité depuis le déclenchement de ces manifestations le 14 octobre 2019. Notamment les meurtres et multiples arrestations arbitraires des citoyens et leaders du mouvement. Si le président dit être serein et à l'écoute du peuple de Guinée, le FNDC, quant à lui, voit un chef à la recherche de repères. Les différentes manifestations du FNDC ont ébranlé considérablement le président Alpha Condé et son clan tout en alertant la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sur les dérives dictatoriales du régime guinéen. Le FNDC réitère son engagement à barrer la route à ce projet de réforme constitutionnelle et appelle les citoyens à se tenir prêts pour de nouvelles mobilisations. Les femmes du FNDC de Conakry et de plusieurs villes du pays ont décidé de marcher demain mardi pour dénoncer les meurtres de leurs enfants victimes des répressions sanglantes de ces derniers temps. La coordination nationale du FNDC appelle à son tour à une grande manifestation pacifique le mardi 26 novembre 2019 à Conakry sur un itinéraire qui fera l'objet d'une large diffusion dans les heures qui suivent. L'enterrement des dernières victimes de l'expédition punitive orchestrée par les forces de l'ordre dans les quartiers de Conakry et lors de la récente marche funéraire est prévu le jeudi 20 novembre 2019. On enchaîne avec ce second élément. Le samedi dernier, le chroniqueur de l'émission Grande Gueule a été pris à partie par des agents de la CMIS 21. Évidemment, Mohamed Mara s'est exprimé sur nos antennes pour expliquer comment l'agression a intervenu. Au ministère de la Sécurité, les autorités de la police optent pour l'apaisement. Le général Ousmane Bafoué présente ses excuses à la victime et à tout le groupe Adafo Media. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Camara sont allés à sa rencontre et suivez. Le général Ousmane Bafoué parle d'un incident malheureux. Des sanctions internes ont été prises, surtout que la victime a réussi à identifier les présumés auteurs. Des mots, peut-être que les jeunes ont placé des mots malveillants à son endroit, en lui menaçant par-ci, par-là. Ça peut arriver dans la jeunesse de tout un chacun. Tu as confiance à quoi, à moi ceci, etc. Donc, moi, je lui demanderai pardon. Et demain, déjà, j'ai convoqué le commandant et l'équipe qui était dans la pick-up, le chef de bord, le chauffeur et ceux qui étaient dedans, qui partaient à la garde. Ils seront là. Et dans un premier temps, j'ai déjà pris des sanctions à l'interne. Que tout le groupe de presse élargi au principal concerné ne se laisse pas habiter par la peur, rassure le général. Que Mohamed Mara sache que sa personne n'est pas visée, les GG ne sont pas visés, les GG ne gâtent rien à la police nationale. Mais ils disent plus haut que ça. Si ils arrivent même, je les vois même, ils arrivent à atteindre des sommets et qu'ils ne se réveillent pas, ce n'est pas un agent qui va être atteint ou moi, directeur général, et que je vais me chercher à me venger. Non, ce n'est pas possible. Il présente ses excuses, mais si toutefois Mohamed Mara n'est pas satisfait, il peut user de ses droits. La hiérarchie policière mettra à sa disposition les agents présumés auteurs de l'agression. Il sera rétabli dans ses droits. Tout ce qu'il voudra faire de ses agents, s'il veut les déférer, on les mettra à sa disposition. Parce qu'il a été victime, il a été frustré, il se dit humilié. On va essayer de le rétablir, mais dans un premier temps, en ma qualité du premier responsable de la police, je lui demande pardon et qu'il sache qu'on a la volonté que nos agents ne commettent pas des choses comme ça. C'est pour cela qu'on les identifie, les véhicules sont identifiés, les missions sont ordonnées, les chefs de groupe sont connus. Voilà, c'est ce dernier élément qui m'a fait à ce bulletin du matin. Merci beaucoup, Janet. Merci. Et puis à tout à l'heure, bien sûr, pour parler People et également actualité cinématographique. Et sur le 669 24 08 08 ou la page Facebook Lefto, vous avez été nombreux à pouvoir nous envoyer vos messages. Ce qu'on va faire, on va carrément les lire. Bonjour, espace Lefto. Je m'appelle Amaïd depuis la Côte d'Ivoire. J'aime votre émission et je vous souhaite également une très bonne chance. Nous partons avec, bien sûr, un autre message. Bonjour, Espace Guinée. Je m'appelle Youssouf Massiré Camara depuis Matam. Et puis, on suit vos émissions. Bonjour, Espace. C'est Camara Ibrahima Souri. Je vous kiffe depuis
Kuntia, usine, vraiment, vous êtes les meilleurs et je salue Bad. Ça marche. Je pense que le message a été reçu par lui. Bonjour, je suis Charlot, c'est mon nom. Je suis de cœur avec vous, Espace TV, ma télévision. Et ce dernier message, bonjour Koto Al, je vous suis chaque jour ici à Luanda. C'est en Angola, je précise. Merci à tous les travailleurs de Adafo Media. Alors, comme vous le savez, tous les matins, nous recevons un invité de taille, tout naturellement. Et ce matin, nous sommes avec Binette Diallo, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Ça va, Binette? Oui, ça va. Je rappelle que vous êtes l'initiatrice de la Guinée Fashion Fest. Donc, Binette Diallo et Mina Foundation Guinea présentent la 4e édition de la Guinée Fashion Fest. C'est un événement qui parle de la monde. Mode. D'accord. Oui. Et quoi d'autre encore? Et l'humanitaire. Ok, d'accord. Ouais. Alors, ça sera quoi le programme de Guinée Fashion Fest? Quels sont les thèmes que vous abordez? Est-ce que forcément, il y a la mise en valeur de la culture, du tissu guinéen, tout ça? Comment ça se passe? Tout à fait. Chaque année, on essaie de valoriser la textile guinéenne. D'accord. Et on met l'accent sur ça, surtout aux stylistes guinéens. D'accord. Donc, de présenter parmi leurs collections, de mettre quelque chose de guinéen. D'accord. Parce que les étrangers viennent avec notre style, donc on veut qu'ils viennent et ils voient qu'on a du beau textile. Ouais, 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 et pour qu'ils puissent en prendre et partir mélanger avec leur. Leurs différents tissus aussi chez eux. Yes. Alors, la Guinée Fashion Fest démarre du 26 novembre au 1er décembre. Yes. Alors, il y aura quoi le 26, le 27 Donnez-nous un peu le programme. Ok, voilà, ça commence du 26 au 1er. D'accord. Le 26, il y a une soirée d'ouverture à la résidence de l'ambassadeur de France. D'accord. Ça, c'est sur l'invitation. Oui, évidemment. Il faut que je précise. Et le 27, on a prévu d'ouverture parce qu'on est en train d'ouvrir une école de couture ici super, à Guinée. Super, super. Donc ça, c'est prévu le 27. Et le 28, il y a la conférence de presse à l'hôtel Noum. Okay. Et après, il y aura des masterclass et des gens qui vont venir intervenir. Ouais, ouais. Tout ce qui se passe au niveau de la mode et... Le maquillage, le make-up, tout et trucs comme ça. En tout cas, tout ce qu'il lit, hein, la confection, les vêtements, ouais. Tout ça. Et le 29, ça c'est le défilé d'ouverture à Prima Center. Ça c'est pour le public. Le grand public. Yes. D'accord. Ça c'est prévu le 29 à partir de 19h. 19h, yes. À Prima Center. À Prima Center, le 29, d'accord. Ouais. Et le 30, ça c'est le défilé final à l'hôtel Noum. Ok. Yeah, ça c'est un dîner. On est plus... very important person, comme on dit. Exactly. D'accord. Un défilé avec dîner gala, des prestations des artistes, ainsi de suite. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes mannequin international, guinéenne d'origine, et puis vous résidez du côté des États-Unis. Est-ce que vous avez réussi à percer le mystère du mannequinat africain? Est-ce que les lignes se sont ouvertes pour vous de ce côté-là? Est-ce que ça marche bien pour vous, comme on dit? Bien sûr, j'ai pu à développer pendant le peu de carrière que j'ai fait. Je dis alhamdulillah. D'accord. J'ai pu avoir ce que je voulais. J'ai pu aussi connaître le monde du mannequinat, les avantages et les disadvantages. D'accord. Excusez-moi. Je comprends. Non, mais je comprends. Hein. Les inconvénients, pour dire. Exactly. Vous voulez dire disadvantages. Yes. Alors, je rappelle que sur ce projet, vous êtes avec votre sœur, yes. Qui vous accompagne de tout temps, de tout œil. Elle est avec vous. Ouais. Et je pense que c'est ensemble que vous ouvrez ce grand centre de formation. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Ça s'appelle Karen Prisker. D'accord. Art of Fashion. Ok. Yeah. CAF, c'est ça? CAPAF, en abrégé. Yeah. D'accord. Et l'école va former quoi, qui, comment? L'école, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est une école, quiconque qui veut apprendre le métier, ils sont les bienvenus. Et il n'y a pas une âge limite. À partir de 12 ans, je vais dire 12 ans que tu peux apprendre le métier. Parce qu'on dit que l'école, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est mais quand même, tu peux apprendre le métier. Un petit métier pour pouvoir subvenir à tes besoins. Exact. Comme on dit, les diplômes sont des accessoires. Hein. Exact. Aujourd'hui, avoir des diplômes, aller s'asseoir à l'université 4 ans... Ça ne sert à rien. Alors que si tu as ton petit métier, ça t'aide à...
à nourrir ta famille. Donc c'est ça. Il y a une formation de 6 mois, il y a une formation de 2 ans. De 2 ans de formation, c'est avec un diplôme qui est reconnu au niveau de l'État guinéen. Super, super. Et bientôt, on aura aussi un partenariat avec une école de mode de Dakar. Pour que s'ils arrivent à finir leurs études, ils peuvent aller à Dakar faire une autre formation et revenir en Guinée. Super. Ben voilà. Allez, comme quoi, il y a forcément des compatriotes qui abattent des choses dans l'ombre et nous, on salue ça. Merci. C'est très bien de voir que des fils et filles de ce pays vont se battre à l'étranger et reviennent chez elles. Oui, parce que la mère patrie oblige et mène des actions pour le développement du pays sans grand bruit. Et c'est ce qu'on demande parce qu'on a des droits, mais on a aussi des devoirs vis-à-vis de la nation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit par rapport à la Guinée Fashion Fest et si vous devez motiver encore les téléspectateurs qui nous regardent à venir? Quels sont les mots pour vraiment attirer les gens sur votre événement? Je pense que ce que je vais dire, je lance un appel à tout le monde de venir nous soutenir parce que c'est une action humaine qu'on fait et c'est tu viens de dire que c'est pas, on le dit pas, mais quand même on est là, on existe, on fait des choses humaines. Donc venez nous soutenir en achetant les tickets de dîner ou à Prima aussi, vous pouvez offrir les enfants démunis pour qu'ils puissent bien voir le défi. Exactement, parce qu'il y a des gens comme ils veulent participer mais ils n'ont pas les moyens. Les moyens, vous pouvez les offrir aussi des passes pour aller regarder les défilés. Alors je rappelle qu'à ce défilé il y aura aussi des artistes. Il y a des artistes, il y a Hadi Diop qui est invité, Jenny Alpha, il y a Ashley, il y a Sheikh Omar, il y a Saifomba. D'accord. Et à l'international, vous avez forcément... À l'international, je vais dire, il y a une surprise. D'accord. Déjà, je sais que c'est publié sur les réseaux sociaux, mais quand même, on a beaucoup, beaucoup d'invités de renommée qui vient. Même une actrice que j'ai pu tourner en movie à un moment, elle sera... de partir avec nous. Voilà. Donc, il faut rappeler que le 29, à Prima Center, ce sera bien sûr le défilé des jeunes créateurs. Hein. Yes. Voilà. Et 30 000 francs seulement, l'accès. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, d'aller regarder ces défilés de mode. Et puis, pourquoi pas. Il y aura une vente privée après tout ça. Oui. Le vente privée est prévu dans notre institut à Nangotadi. À Nangotadi. Ça, c'est le premier. Voilà. Des stylistes qui vont venir. Oui. Et les stylistes guinéens aussi. Des stylistes guinéens et des stylistes étrangers. Ouais. Ils viennent de quel pays, ces stylistes? On a les États-Unis, l'Italie, Mozambique, la France, un peu partout. Ça marche. Allez. Ouais. En tout cas, on a été ravis, hein, Binta Diallo, merci de vous recevoir. Beaucoup. Sur ce plateau, je rappelle encore une fois, Guinée Fashion Fest, 4e édition, événement mode et humanitaire qui se déroulera du 26 novembre au 1er décembre, ici même à Conakry. Vous avez les différentes informations sur les réseaux sociaux. Nous, on va enchaîner avec la vidéographie. On s'intéresse à la cryothérapie du sportif. La cryothérapie consiste à mettre un athlète dans une chambre très froide, vers 110 degrés, pendant moins de 5 minutes. Elle permet aux sportifs d'encaisser des séances d'entraînement plus longues, plus fréquente bien sûr hein, en cette période de Coupe du Monde où les joueurs enchaînent les matchs. C'est une méthode qui leur permet de récupérer plus vite. La cryothérapie du sportif consiste à mettre un athlète dans une chambre très froide vers moins 110 degrés pendant moins de 5 minutes. Les parties les plus sensibles au froid, muqueuses, voies respiratoires et extrémités sont protégées. Le corps peut supporter ces températures extrêmes à condition qu'il n'y ait pas de vent, que l'air soit très sec, qu'aucune pièce métallique ne soit en contact avec la peau. Quels sont les effets sur le corps de cette méthode? Le choc thermique provoque d'abord une contraction des vaisseaux sanguins, une vasoconstriction qui limite l'inflammation des tissus. Il ralentit la transmission de la douleur par les cellules nerveuses et agit ainsi comme un analgésique. D'autres processus, comme la libération d'enzymes réparatrices par les cellules lésées, sont à l'œuvre. Le froid intense permet aussi au collagène, c'est-à-dire aux fibres qui composent la structure des muscles, d'être souple et plus résistant à l'extension. La cryothérapie permet ainsi aux sportifs d'encaisser des séances d'entraînement plus longues, plus intenses et plus fréquentes. Mais cette technique n'est pas réservée aux sportifs. Elle est de plus en plus utilisée pour soigner des malades souffrant d'atteintes neurologiques, de raideurs musculaires ou de très grandes douleurs. Oh.
Retour en plateau avec, bien sûr, cette vidéo que vous regardiez à l'instant. On va enchaîner avec l'astuce santé. Bonjour Kéra. Bonjour Anne. Ça va ce matin? Ça va, j'aime bien ton Mon haut là? Oui, ton haut. Merci, c'est gentil. C'est très africain. Hein? Il est très beau. Merci beaucoup ma chérie, comme on dit. Merci beaucoup Madame Kumbasa. Hey. Pas de ma chérie ici. Non, hein? Après, je sais ta soeur, ça va. Des problèmes, voilà. C'est rien. Allez, ça. On s'intéresse à quelques vertus du gingembre bio. Évidemment, bonjour aux téléspectateurs. Et ce matin, on va donc donner les vertus du gingembre. Ginger, exactement. Ouais, c'est ce qu'on trouve partout d'ailleurs. D'accord. Au marché, ouais. Très très abordable. Uh-huh. Et donc, il faut le rappeler que le gingembre peut soulager les nausées et les vomissements. D'accord. Le gingembre est aussi antipasmodique car il aide à la digestion en cas de digestion difficile. D'accord. Le gingembre est antioxydant aussi parce qu'il prévient les maladies cardiovasculaires, et certains cancers et le vieillissement cellulaire. Mm-hmm. Et le gingembre est antiseptique puissant. D'accord. En cas de rhume peut-être, en cas de mal et autres, vous pouvez consommer le jus de gingembre. Okay. Le gingembre fait baisser aussi le taux de cholestérol, mm-hmm, ainsi que celui de triglycérides. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils ont beaucoup de graisse, ils peuvent consommer du gingembre régulièrement. Cela peut leur aider beaucoup. D'accord. Et puis, le gingembre est anti-inflammatoire car il aide à éviter la formation de prostaglandine et aide aussi efficacement à soulager les douleurs. D'accord. Il est amincissant, il est aphrodisiaque, il est anti... Il a tout ça. Le gingembre est antiviral. Le gingembre aussi, oh. Il est fort. Il est fort. D'accord. Le gingembre soulage aussi les douleurs musculaires, évidemment, bad. Il protège aussi il aide à protéger la santé, le bon fonctionnement de l'organisme. D'accord. Il est aussi antiviral, comme je le disais, car il aide à lutter contre le rhume, l'angine, l'otite, l'allergie, la fièvre, la toux et tout ce qui s'en suit. La constipation aussi, hein? Oui, la constipation. Quand vous êtes constipé, hein, que vous n'arrivez pas à aller à la selle, vous prenez... Du jus de gingembre, surtout quand c'est mélangé avec du miel, ça facilite aussi beaucoup. Voilà. Justement, ça vous évite tout ce qui est hémorragie. Ça vous avez tout ce qui est hémorragie d'interne et externe. Voilà. C'est ce qu'on appelle coco. C'est toi que j'ai entendu dire ça. Le coco. Allez. Merci beaucoup, Kéra. Merci, Al. Quelques lectures de messages avant de recevoir Fatmata Diané pour clôturer cette émission. On va faire face à nos différents téléspectateurs. Bonjour. C'est Toufin, Mohamed, depuis Luanda. On vous remercie, je salue l'ami Nairobi et on vous dit bonjour. Bonjour Espace TV, c'est Mohamed Sambou. Mamadou, je vous kiffe depuis Sansalé, mon village natal. J'aime bien votre émission et puis nous partons avec un autre message. Bonjour Coral Soirée, c'est Moïse Rodney Toura. Magor, je vous kiffe depuis Dabampa, vous êtes les meilleurs. Et puis ce dernier message. Bonjour, je suis Mickaël Yatara Mouria Fauté. J'apprécie votre émission signée Yatara le pétrolier de Bonfi. Bon, est-ce qu'à Bonfi il y a les pétroliers? À vous de nous le dire. Allez, bonjour Diané. Bonjour Al. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, ça reva? Oui, ça va très bien. Allez, Ciné News, Les Animaux Fantastiques 3, le tournage est prévu pour le printemps 2020. Oui, on va déjà aller avec la bande-annonce et puis on revient à d'accord. D'accord. Le réalisateur nous signale. D'accord, ça marche. Alors, pour vous dire que la magie continuera donc en 2020 pour les fans de ce film. Okay. Le tournage de ce troisième volet des Animaux Fantastiques aurait dû avoir lieu en juillet 2019, mais la production a finalement choisi de le repousser une nouvelle fois pour offrir plus de temps à sa conception. Et d'après les révélations rapportées par Deadline, Warner Bros. A donné son feu vert pour le troisième volet des aventures des animaux fantastiques et le spin-off de la saga Harry Potter. Le tournage débutera au printemps 2020 au Brésil avant une sortie prévue pour le 12 décembre 2021 sur le sol américain. Et donc pour ce troisième opus, l'intrigue se déroulera donc en Amérique latine, plus précisément au Brésil à Rio de Janeiro, et explorera de nouvelles cultures liées au monde des sorciers. Elle serait. Ben voilà, à voir pour l'horizon 2020. Hein, oui, c'est pour 2020. Ça marche. Et puis People, ici à Cassila, prépare son deuxième mariage pour le mois de décembre. Il n'y a pas le feu. Deuxième mariage, ça va. Moi, je connais des gens qui ont fait six mariages.
Et ben ouais. D'accord. Ça va. Oui. On a le taux de mariage le plus élevé dans le pays, hein, et de divorce, comme je disais hier. C'est parce qu'ils ont l'argent. Voilà. Aujourd'hui, pour se marier, c'est pas un tabou. Hein. Tu peux te marier, tu divorces 6 mois, tu te maries dans 1 an. Mais tu divorces, c'est cher, le mariage, Al. Moi, je connais des femmes qui se sont mariées, qui ont divorcé, qui sont revenues se marier au même monsieur qu'elles ont divorcé. La vie, elle n'est pas belle. Elle est très belle. Elle, comme allez, elles sont chanceuses. Vas-y, parle-nous-en. Alors, à l'international, Ishaq Asila serait prêt à célébrer son second mariage en décembre 2019. Et donc, selon une source proche du footballeur, ce mariage que les deux familles souhaiteraient célébrer en décembre serait une union avec une métisse de Conakry. Et cette jeune femme s'appelle Catherine Nel. Évidemment, après son divorce donc avec Hawa Bangoura, qui a fait un la garçon. Pauvre Hawa, qui, oui, j'imagine, a galéré derrière lui. Oui, oui, effectivement. Maintenant qu'il y a beaucoup d'argent, on a la métisse Catherine. Catherine. Voit quelque chose. Hein. Hawa Bangoura, il faut. Il faut des. Et donc, c'est là. qui a fait un garçon pour lui. Il décide de tourner la page pour faire un autre choix. Ouais. On ignore le contexte dans lequel Ishaq et Hawa se sont séparés, mais le latéral gauche du Sili veut passer à autre chose. D'accord. Et après le match contre la Namibie, vous voyez sur les images. La métisse. Oui, la métisse a été aperçue à l'hôtel Kaloum où elle a même snappé son homme. Elle disait c'est bien. Papa. Ouais. Et donc, la future. On voit, et pour savoir. Là, Catherine, on ne voit pas trop les informations sur ses pages parce qu'elle n'a ni Facebook ni Instagram. Mais par contre, sur Snapchat, elle étale vraiment tout son quotidien avec son futur mari. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ça est doux, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, nous, on a fini pour ce matin. On se sépare avec une de très belle vidéo de Soul Banks dans l'espoir de vous retrouver demain. Le plaisir a été pour nous de vous servir. Toutes les équipes, et bien sûr, autour de Steve Le Guinéen, Mafata, Monemou, ont été là pour nous accompagner. Demain encore, on sera avec vous. N'oubliez surtout pas nos différentes plateformes sur lesquelles vous aurez la possibilité de pouvoir encore nous écrire. Hein. Vous avez la page Facebook Lefto, espace TV. Vous avez également la possibilité de pouvoir nous balancer des messages sur le 669-29-08-08. N'oubliez surtout pas aussi hein, que de gros événements à venir dans la cité. Entre autres, hein, il y aura ce gros concert de l'artiste Bébé Baya, prévu pour ce week-end même avec la maison de production Terra Musique. Hein, Bébé Baya, finaliste, il faut le rappeler, hein, du prix RFI Musique 2019, qui hein, n'a pas remporté ce prix, certes, au détriment de la belle Congolaise, mais qu'à cela ne tienne, qui lui a fait un gros coup de buzz, sera du côté du Palais du Peuple. Et cet événement est le baptême de feu de la structure Terra Musique, il faut le rappeler. Donc j'espère que vous serez très nombreux de ce côté-là pour soutenir le talent local. On n'oublie pas aussi un autre grand rendez-vous, celui hein, de Ariel Chéné à Conakry, aux côtés de Safarel Obiang et puis d'autres artistes, Jani Alpha, entre autres, hein, qui seront à l'affiche, qui seront bien sûr, sur l'esplanade du Palais du Peuple avec Titi Prod et cet autre grand rendez-vous, la Guinée Fashion Fest qui va démarrer le 26 novembre au 1er décembre qui est un événement qui réunit hein, tout le gotha de la mode guinéenne et africaine et on va dire européenne et américaine. Allez, on se dit au revoir et à demain. Ciao.